Shalom bien-aimés dans le Seigneur, Shalom Divine Grace. Nous sommes à notre 17e jour de nos 21 jours de jeûne et prière avec comme thème « Avec Dieu nous ferons vaillamment ». « Avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis » tiré du livre de Psaume 60 verset 12. Aujourd'hui pour notre 17e jour, notre sujet de prière est de prier contre toutes sortes d'adversités en 2022 et que tout plan de l'ennemi échoue au nom de Jésus. Toute arme forgée contre nous ne prospérera. Je nous invite donc à lire le livre de Psaume 91, versets 1 à 7. La parole de Dieu dit « Celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet du oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Alors ma prière pour toi en ce 17e jour est que le Seigneur te couvre sous ses plumes, que tu demeures dans l'abri du Très-Haut et qu'aucune arme forgée contre toi ne prospère. Qu'une arme forgée contre ta famille, tes études, contre ton mariage, contre tes enfants, contre tes projets ne prospérera par le nom puissant de Jésus. Et nous sommes vraiment reconnaissants de ce que Dieu est en train de faire, pour ce qu'il fait et aussi pour ce qu'il fera. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.